Bonjour, on prend quelques instants pour parler des petites pompes Gosler. Ça, c'est des super de petites pompes vacuum à déplacement positif pour les plus petites sections d'érablières ou les petites érablières. On a le modèle simple et le modèle double. Le modèle simple est bon pour à peu près 400 en taille et de monter jusqu'à 22 pouces de mercure, ce qui est quand même intéressant. Par contre, ces petites pompes-là ne développent vraiment pas beaucoup de CFM, fait qu'il faut être très, très, très étanche pour atteindre du bon vacuum avec ça. Si on décroche un chalumeau au bout de la ligne, il ne restera pas grand-chose. Fait que c'est important d'être très, très, très étanche. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne à 115 volts. Ça tire juste à peu près 1,4 ampères. Et puis, ça n'a pas besoin d'avoir un extracteur, ça, à cause que c'est une pompe à déplacement positif. Elle siphonne l'air et l'eau sur un bord. Puis, sur la sortie, elle sort l'air et l'eau qui est à sortir. Fait que tout simplement, connecté sur un réservoir ou sur un bassin. Même chose pour la double. La double, la seule différence, c'est le même moteur. Qui fonctionne à peu près 1,4 ampères à 115 volts, 22 pouces de mercure maximum, mais celle-là peut aller jusqu'à 800 ampères. Bref, c'est une double, c'est le double de l'autre. C'est les mêmes petites pompes. Ces pompes-là, ce qui est super, c'est que c'est fabriqué et assemblé aux États-Unis par Bosworth Company. C'est eux qui font la Gosler. Puis les moteurs qu'il y a là-dessus, c'est des moteurs de qualité fabriqués au Japon. Fait que c'est quand même pas rien, là. C'est quand même un assemblage de qualité. Ça fait des années que c'est sur le marché, mais ça fait pas bien des années qu'on les offre au Canada. C'est des pompes qui méritent être connus pour les plus petites érablières ou des petites stations dans les coins. Ça fonctionne vraiment bien. C'est pas du gros vacuum, mais ça va beaucoup mieux qu'à Chaudière.